participantes vont pouvoir goûter et en même temps ben, découvrir le Québec ici en France. Maintenant. Vous savez comment on s'appelle les sœurs terribles? Est-ce qu'elles se perdent les sœurs terribles? Jamais. Un peu dans le ventoux. Un peu dans le ventoux. Un peu dans le ventoux. Voilà, ça va. Deux fois sur trois. Voilà. Quand on a fait le premier stage d'orientation il y a 2 ans, on était dans la petite salle du lac. On était à l'époque 95, ça me semblait énorme. L'année dernière, on l'a fait ici, dans cette salle, mais il y avait le rideau là qui était tiré, on n'avait qu'un tiers de la salle, on était 165, et je me rappelle, on mettait les chaises avec Valérie, et on avait mis plein de chaises, et je me suis dit, mais faut arrêter là, il y en a trop des chaises. Et quand on a compté les chaises, il y en avait 80. Et là, je me suis rendu compte du nombre, parce que c'est vrai que vous voir sur des lignes Excel, c'est pas pareil que de vous voir en vrai. Et aujourd'hui, sur 400 participants, vous êtes 330. Et là, bravo! Donc, juste après moi, c'est Valérie et Delphine. Elles vont prendre la parole. Elles ont une présentation à faire qui va durer à peu près 1 heure. Donc ça, c'est la présentation théorique. Pendant la présentation théorique, je vous demanderai d'être le plus attentif possible. Ça va être difficile parce qu'une heure, c'est un peu long, mais elles sont obligées de vous donner de la matière pour pouvoir travailler après. Et cet après-midi, il y aura des ateliers à l'extérieur et en salle avec des exercices de révision encore. C'est un exercice pour vous montrer que quand on prend un cap et qu'on marche une certaine distance sur ce cap, on arrive à un point précis. C'est juste pour vous montrer que ça marche. Voilà, c'est tout. 16h30, ça sera la clôture de cette journée, où là, je pourrai répondre à toutes vos questions. On fera tourner un micro, et puis là, je répondrai à toutes vos questions. Alors, je me présente. Moi, je suis Delphine Bertrand. Étant donné que j'ai participé au Trek l'année dernière, je peux vous dire que vous allez vivre une aventure qui est extraordinaire. Vous allez en prendre plein les yeux. Donc vous allez pouvoir, ici, aujourd'hui, au cours de ce stage de navigation, essayer de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir vivre au maximum ce que vous allez découvrir pendant le trek. Donc Valérie Dott, je serai là aujourd'hui pour épauler Delphine sur la navigation. Ça va vous sembler un petit peu lourd parce que tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne s'imagine pas pour les nouvelles. Mais je suis plutôt une fille de terrain, donc je serai en tout cas pendant les 15 jours sur le trek. Et le matin, le soir, si vous avez besoin d'infos, je serai là, donc soyez rassurés. Aujourd'hui aussi, hein, vous avez plein de coachs. On est là pour vous transmettre le plus de tuyaux possible et surtout pour aller dans cette aventure de façon sereine. Voilà. Un point à la surface de la Terre, quel qu'il soit, est toujours représenté par 2 coordonnées. Une coordonnée de latitude et une coordonnée de longitude. Donc ça va être l'objectif de cette première partie. Pour remplir justement cette feuille de route, il va falloir que vous placiez des points sur vos cartes marocaines. On vous apprendra également donc, à placer les points à partir de la feuille de route sur les cartes que vous avez sous les yeux. Voilà. Et puis on terminera en vous présentant, finalement, lorsque vous vous trouvez face à un relief qui est infranchissable, puisque au Maroc, en fait, on a énormément de reliefs.
Il se peut qu'au cours de votre tracé, vous trouviez face à une montagne. Eh bien, on vous expliquera comment prévoir le contournement d'une montagne et savoir dans quel cas vous orienter pour pouvoir contourner cette montagne. Voilà. De l'hôtel Xaluca, ça sera l'hôtel où on fera la fête pour le dernier jour, qui est un très très bel hôtel, piscine, la récompense après le bivouac, qui est ceci dit très luxueux. Le Toum, on repère le dénivelé en fait. Ouais, les petites traverses. Là, c'est du plat là. Ah non, c'est sérieux. Oui. Faut pas se tromper de route. Tu n'es qu'un âne, toi. Ouais, mais c'est un 60-31 secondes. Ah, il file, c'est ça. Tip-top. On voit rien, mais... On est perplexe, surtout. On essaye de comprendre. Je m'entraîne. On veut pas se perdre. On va pas s'en sortir. On est fous. On est très concentré. Ouais, exactement. C'est ça. On est dans le carré VIP. Comment ça se passe bien? Pour l'instant, très bien. Merci. On a encore tous nos doigts de pied. Elle adore viser et puis c'est beaucoup plus ludique en fait. Donc quand vous avez un compas visé chacune, ben, on vous donne un cap et toutes vous regardez et au moins vous pouvez converger avec ce que vous voyez parce que certaines vont voir ce sommet-là, ce repère-là et le fait que les quatre fassent la visée, c'est quand même beaucoup plus sympa. Moi je ferai la cuisine pendant qu'elle fout les bords. Donc. Elle vous laisse pas toucher, c'est ça? Non, tu dois regarder. On pose sa règle comme ça. Voilà. Ok. Vous allez positionner votre règle pour la tranche. On travaille bien. Toujours ta flèche jaune soit dans le sens de la marche. Il y en a qui bossent et puis il y en a qui bossent. Moi je suis géo-animation. Moi j'aurais mis là. Quoi 6,50? 6,50, 0 et tu montes jusqu'à 6,50. Le 0 il sert à rien, hein? À rien, non, c'est les trois derniers. Ah d'accord, ok. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait. Ouais, ça. Ok. C'est les trois. Les trois derniers. Les trois derniers. Bon, c'est compliqué? Un peu. On va s'y faire, on va y arriver. Hein. Il y a une blonde dans l'équipe, alors je capte un peu moins vite, c'est normal. Là, c'est là. Attends, c'est quoi là? T'as pas pris d'accord? Non, pas encore. Ça commence pas, si, hein. Si, on va se retrouver chacun à bout de la terre. C'est parti, non. Alors, on va ouvrir le rideau et il y a Amigo Paella qui vous a préparé une paella avec des merguez au bœuf à l'ail. Il n'y a pas de porc. Bon appétit les filles, on prend une heure pour les déjeuner.
Donc on a besoin de vous, parce qu'il reste quelques semaines avant le départ. Et si on peut remplir ce défi, ça sera génial. Merci à vous, bonne aventure. Et puis, travaillez bien. Merci Mimi. T'as assuré grave, Mimi. Super. 1000 euros pour le défi du cœur. Yeah. Au printemps pour faire les soldes, les coordonnées, latitude, longitude pour retrouver les bons soldes et ça y est, on est au point. Non, on a appris beaucoup de choses, on a été très très bien reçus et c'était formidable. Et je suis pas toute seule. Alors les filles, ça y est, vous avez tous les éléments, vous avez appris à poser un point. Maintenant, la balle est dans votre camp, il n'y a plus qu'à vous entraîner un peu physiquement. Le psychologique, vous l'avez. On vous attend dans quelques semaines. Rendez-vous à l'aéroport d'Orly. Et pour les autres, rendez-vous à l'aéroport d'Erachilla pour la deuxième session. À très vite les filles.